Toute la fin de semaine, vous l'avez vu courir d'une scène à l'autre. Angèle Dubois nous a préparé une programmation spectaculaire. Elle nous a préparé une belle programmation. Depuis vendredi, on est envahi par une gigantesque vague musicale. Merci, Angèle. Comme tous les dimanches soirs, la directrice artistique se transforme en violoniste, elle, la chenille qui se transforme en papillon pour nous répondre à notre bonheur, car c'est vraiment avec son violon qu'Angèle nous transporte le plus loin. Elle nous fait vivre avec son instrument de les plus grands moments, et je pense que c'est ce qu'on va vivre ce soir. Avant, laissez-moi vous parler de la virtuose internationale qu'est Angèle Dubois, parce qu'elle est bien humble, elle se présente, elle parle à tout le monde, mais vous savez, entre nous, c'est une très grande star. Je vais vous donner juste deux chiffres. En 2014, Angèle Dubois est la violoniste classique qui a vendu le plus de disques en Amérique du Nord. On laisse le passage libre. Public fidèle qui l'aime et la suit depuis plus de 30 ans. En mars dernier, elle sortait son dernier album consacré au compositeur italien Ludovico Einaudi. Cet album s'est hissé immédiatement au sommet des palmarès de musique classique au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. C'est plus de 4 200 000 écoutes en continu, ça c'est le streaming, la nouvelle façon d'écouter de la musique que ce disque a reçu depuis sa sortie. Je pense que ça mérite une félicitation, je pense que c'est un record sur la planète. Ce disque est écouté partout. Mesdames et messieurs, accueillons l'une des musiciennes les plus signifiantes de sa génération. Mesdames et messieurs, Angèle Dubois et La Pietà. Thank you.
bonsoir, good evening. De commencer, vous savez, avec une œuvre d'Antonio Vivaldi est un peu comme une carte de visite pour moi. Parce que c'est en pensant, justement, à Antonio Vivaldi que j'ai nommé en ensemble la Pietà, que j'ai fondé la Pietà il y a maintenant 18 ans. 300 years ago, in Venice, young orphans and illegitimate girls were studying and were playing under the direction of the maestro di coro, Antonio Vivaldi. Alors, naturellement, ces jeunes orphelines, quand je dis que je pensais à Vivaldi quand j'ai nommé la Pietà, je pensais à l'Ospedale de la Pietà de Venise, où il y avait ces jeunes orphelines et jeunes filles illégitimes. Et vous savez, c'était à l'époque un peu l'ouverture, pas juste un peu, c'était l'ouverture sur l'Europe. Alors, on venait d'un peu partout pour venir les entendre. Et c'est important, je dis entendre, parce que afin de les éloigner de toute tentation du monde extérieur, on les cachait derrière un rideau. Elles jouaient derrière un rideau. Alors, je l'ai dit souvent, il n'y a pas plus belle façon de voyager que de le faire en musique. Et vous allez en avoir la preuve maintenant. Un petit voyage espace-temps, le temps d'un coup de baguette, d'un coup d'archet, et c'est fait. Alors, je parle de ce Vivaldi de Venise, et là, avec nos archets, on va vous amener dans l'Italie d'aujourd'hui avec une pièce qui s'appelle Life et du compositeur Ludovico Einaudi. Thank you.
J'ai pensé pour vous ce soir de rejouer une pièce que nous n'avons pas jouée depuis plusieurs années. Une œuvre que je retrouve d'abord avec un très très grand bonheur et qui fait surgir en moi ce moment très intense où j'ai eu la chance de parler au compositeur Sören Winklick quelques jours avant sa mort. Et il me disait sa joie de savoir que sa musique, elle, serait immortelle et qu'il viendrait au-dessus de ma tête comme un papillon toutes les fois que je jouerais The Old Toronto Klezmer Suite. Thank you.
Quand je pense musique, deux mots me viennent d'abord en tête. Passion et partage. Bon, la passion, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Le partage, ben, vous savez, pour une musicienne, il se vit certainement avec le public, ma raison d'être en tant que musicienne, mais il se vit aussi sur scène, en musique. Et je suis très, très, très heureuse ce soir de partager la scène avec mon premier invité, un géant, une véritable institution musicale ici au Canada. Et je vais lui faire place maintenant, tout de suite, pour un solo, et je vais venir le retrouver ensuite pour jouer avec lui. Alors, mesdames, messieurs, mon ami Oliver Jones. Thank you.
sat down, il y a quelqu'un qui m'a demandé de jouer Raindrops Keep Falling on Your Head. C'est une chance que j'ai changé mon idée. Mesdames et messieurs, Angèle, merci encore pour l'invitation. Je pense que la dernière fois, ça fait 20 ans. On a joué ici, à la fête de la musique. Oui, oui. Sommet de la montagne. Hein? C'est ça. On avait même fait deux représentations le même soir, parce qu'on avait rempli le chalet. En tout cas, chose certaine, peut-être pas 20 ans, mais c'est chose certaine, ça fait trop longtemps. Comme toujours, avec la pièce, c'est toujours, toujours un grand plaisir. Ben, merci beaucoup. Et moi, je dois dire aussi un gros merci, Oliver, parce que la prochaine pièce qu'on va jouer, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Je me souviens encore quand tu m'as donné cette pièce-là. Ça, ça fait pas 20 ans. Ça fait quelques années seulement. Oui, oui. Et j'ai, vous savez, c'est un grand privilège, mais j'ai eu ce cadeau d'une œuvre écrite pour, par Monsieur Jones et qui s'intitule... Puis avec cette pièce aussi, j'ai gagné un Juno puis un Félix avec. Génial. Et ça s'intitule « The Angel and Mr. Jones ». Thank you.
Philadelphie. Peut-être c'est à cause de, je suis rendu à un certain âge que j'ai commencé à aimer les pièces romantiques. Justement, tu devrais savoir à ton âge qu'il n'y a pas d'âge pour être romantique. Mais rendu à 80, là aussi, là on pense différent. Et cette pièce, c'est une standard, une des plus belles des chansons romantiques, The Very Thought of You. Thank you.
Merci, Milford. You made an old man feel very young tonight. Et tu as fait des femmes vraiment très, très heureuses aussi. On est vraiment honorés. On est honorés de ta présence. On est honorés de jouer avec toi. Merci d'être ici. Donc, on va finir avec une de mes plus belles balades, Over the Rainbow. Thank you.
J'ai demandé au compositeur Maxime Goulet, compositeur de Montréal, de m'écrire une œuvre où je pourrais vous présenter les musiciennes de la Pietà à tour de rôle. Alors, je commence avec le premier violon, Josiane Beau. Chez nous à la Pietà, on les aime trop. Alors, Andra Giugherio et Grace Paqueta.
Alors, la fête de la musique, vous savez, je l'ai pensée, je l'ai conçue il y a 20 ans maintenant. Et je l'ai pensée en voulant ouvrir une fenêtre sur cette grande diversité, sur cette grande vitalité et surtout sur cette grande qualité des artistes de chez nous. Une grande fête de la musique, de toutes les musiques, sans barrière aucune, où tous les genres se côtoient. Tout ce que je veux, c'est des passionnés qui viennent justement partager avec vous leur passion. Mon prochain invité est un artiste d'exception, avec qui j'ai le bonheur de partager une amitié et une très belle complicité musicale. C'est, je le disais hier soir, certainement un auteur-compositeur parmi les plus grands chez nous. Et puis, je sais que vous l'aimez tous, vous lui en avez fait une belle preuve hier, et j'aimerais inviter sur scène mon ami Michel Rimard. C'est dans des moments comme ça que l'expression « rouler en Cadillac » prend tout son sens. Là, je viens de la culture populaire. Chez moi, à la maison, quand j'étais petit, jeune, au 20e siècle, on n'avait pas beaucoup de disques, mais on avait un bel éventail. Ça allait de la chanson française, en passant par la chanson québécoise, à la musique classique. Mais il n'y avait pas de rock. Le rock, le pop, le folk, tu sais, il fallait que je l'écoute en cachette. Mais mes amis avaient des disques, puis ils m'en passaient, puis tout ça. Alors, j'ai grandi avec, d'un côté, des œuvres de Beethoven, de Ravel, que je vénérais même quand j'étais tout petit, et naturellement, les Beatles, et Bob Dylan, et tous les autres. Et puis, il y avait comme une césure entre les deux, parce que mes parents, ça allait classique, chanson, ça allait très, très bien. Les Beatles, c'était dans le cadre. Il ne fallait pas que je remonte avec un disque des Beatles. Jusqu'au jour où la barrière s'est miraculeusement brisée. En 1966, les Beatles ont fait un disque. Ils ont commencé à expérimenter. Et un moment donné, j'ai entendu cette chanson fantastique où il n'y avait pas de guitare, pas de basse, pas de batterie. Il n'y avait que les voix et les cordes. Et un jour, Angèle m'a demandé si j'avais pas un petit fantasme, quelque chose que j'avais le goût de chanter avec la Pietà. Et c'est cette chanson que j'ai choisie. Elle s'appelle Eleanor Rigby. Of the rise in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, they all belong. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
no one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Nobody cares how the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name. So nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do le mouvant de la vague.
Ah, c'est un pur plaisir. Merci, bravo, merci encore, Michel. Avant de conclure en musique avec la Pietà, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui font un succès année après année. C'est déjà la 17e édition de la Fête de la musique. Vous allez me permettre d'abord de remercier, de féliciter tous les gens qui sont au son, à l'éclairage. Enfin, vous êtes les techniciens, vous êtes une équipe extraordinaire. Merci. Vous êtes un public fidèle, mais je peux dire que l'équipe technique, elle est fidèle également. Ils reviennent année après année et à chaque fois que je reviens, c'est vraiment un pur délice de voir qu'ils sont là encore et qu'ils viennent à la Fête de la musique. Alors, merci vraiment, de tout cœur. Il y a naturellement beaucoup de bénévoles aussi qui sont là ici, qui viennent de la région pour la plupart et qui viennent tout généreusement donner de leur temps et donner de leur savoir. Alors, merci. La musique est une coproduction de l'Association de Villégiature de Tremblant. Je salue ici M. Pierre Bertrand. Merci Pierre. C'est vraiment extraordinaire. On est heureux de travailler ensemble. Je dis « on » parce que l'autre présentateur, ben, c'est celui qui a présenté le concert ce soir, M. François-Mario Labbé, qui est de la maison de disques, je devrais dire la plus grande et la plus importante maison de disques classique au Canada. Et j'aimerais remercier Québécois en tout premier chef, Québécois pour sa fidélité. Je le disais pour ceux qui étaient là hier, je vais me répéter, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je pense que c'est important d'entendre ce que je vais dire. Québécois qui, l'année dernière, a décidé de nous donner 5 autres années. Qu'ils ont. Alors, on peut penser à une vision, ils sont là encore pour 5 ans et j'espère encore plusieurs années. Naturellement, quand j'ai vu que Québécois s'engageait pour 5 ans, ben, je suis allée voir le maire de la ville de Mont-Tremblant et je lui ai demandé s'il pouvait lui aussi se commettre pour 5 ans. C'est chose faite.
vous savez, tous ces partenaires, je prends le temps de les mentionner parce que vous avez cette brochette d'artistes tout au long de ce long week-end de la fête du travail, gratuitement. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui sont là pour donner leur appui, leur généreux appui. Alors, il y a dans les partenaires CJPX, Radio Classique, il y a les Pianos Bolduc, il y a aussi Patrimoine Canada, Musique Action. Alors, c'est à tous les gens qui font année après année le succès de la fête de la musique. Je les remercie vraiment de tout cœur parce que pour moi, ça me permet justement de... Vous savez, j'ai la job la plus fun, celle d'aller à la découverte d'artistes extraordinaires. Et des fois, c'est un beau casse-tête parce que j'en ai tellement de choix que c'est un petit peu difficile, mais c'est un problème, un heureux problème que d'en avoir trop. Et certainement, de choisir des artistes d'ici, du pays. Au début, les gens me disaient, mais t'es sûr de garder vraiment cette vitrine pour les artistes d'ici? T'as pas peur à la redite? Non, j'ai absolument pas peur. Ça fait 17 ans et il n'y a pas de redite ici. Alors, c'est naturellement le succès de cette fête de la musique. C'est d'abord et avant tout les artistes qui y viennent. Alors, naturellement, ça c'est pas terminé, cette fête de la musique. Je vous donne rendez-vous demain. Il reste encore une journée avec plein de beaux concerts et de belles surprises. Pour terminer maintenant, deux pièces issues de notre tout dernier album, qui est un portrait musical que j'ai consacré à un seul, unique, une signature unique, un seul compositeur, Ludovico Einaudi, que vous avez déjà entendu en début de programme. C'est une musique qui, naturellement, qui est belle, qui, pour moi, je trouve envoûtante. Alors, dans l'ordre, vous allez entendre I Giorni, et ça sera suivi de Expérience de Ludovico Einaudi.
20 $. Hey, c'était beau, hein, ça? C'est vraiment beau. Ah, non, je pensais que c'était un autre.